Alors aujourd'hui, un vlog complètement différent des vlogs que je peux vous montrer pour le moment sur cette chaîne YouTube. En fait, généralement, vous pouvez voir des vlogs qui vous montrent l'envers du décor lorsque je fais des photos de paysages, soit des paysages naturels, soit architecturaux, voilà, je vais y arriver. Mais là, en fait, pour le coup, je vais vous montrer une autre partie de mon travail qui est la couverture d'événements, parce que ça m'arrive de faire ce type de choses pour du corporate, pour des agences de pub, voilà, pour la télé, là, en l'occurrence. Et grosso modo, aujourd'hui, je vais avoir la possibilité de vous montrer l'envers du décor sur la remise des prix des lauriers de l'audiovisuel au Théâtre Marigny. Donc vraiment, une petite découverte pour vous d'une autre facette de mon travail. Et surtout, la possibilité de vous montrer comment ça se passe lorsqu'on fait le reportage d'un événement. Voilà, je vais aller récupérer mon accréditation, commencer à faire mon petit tour de repérage. J'ai déjà eu l'occasion l'année dernière de couvrir cet événement, donc je suis déjà bien à l'aise sur le lieu. C'est un lieu assez magnifique puisqu'il a été refait il y a un petit peu plus d'un an. Donc ça va être logiquement un régal et on attend beaucoup de people, tout simplement. Donc une occasion pour moi de faire logiquement de très beaux portraits. Voilà, à suivre. Je récupère mon accréditation et je vous fais découvrir ce lieu et je commence à faire mon repérage pour mes photos. Et bien voilà, je viens de poser mes affaires, prendre l'essentiel et j'ai récupéré mon accréditation. Maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est prendre possession du lieu, voir exactement où est-ce que je vais pouvoir me placer pour faire ma tâche, c'est-à-dire des portraits des personnes, des people qui vont venir pour le cocktail dînatoire, mais surtout des personnes, des lauréats qui vont récupérer leur prix et justement passer voilà, dans cet environnement-là. Et c'est à ce moment-là que je vais devoir justement faire des photos d'eux. Ici, on a le photocall. Là, c'est un autre photographe qui va s'occuper de cette partie-là. Le principe, c'est que les gens, pendant le cocktail, vont venir se faire photographier ici avec justement les logos du laurier de l'audiovisuel. Il va y avoir aussi ensuite les lauréats qui vont passer chacun à leur tour avec leur prix pour se faire photographier ici. Un petit peu plus loin, là-bas, on a le point presse voilà, pour l'interview télé. Et moi, grosso modo, je vais naviguer comme un électron libre ici pour choper les gens et faire les portraits. Voilà, à ce moment-là. Et ben voilà, je viens de prendre mon petit brief, voilà, savoir où est-ce que je pouvais me positionner. Là, pour l'instant, ils vont commencer tout ce qui est répète. Les tests de son, les tests de caméra, on a vraiment plusieurs caméras qui sont derrière moi qui vont filmer la scène. Ça va être retransmis sur BFM, je crois. Alors je sais pas si c'est au niveau télé ou au niveau site, mais en tout cas c'est BFM. On a vraiment tout le régisseur qui va nous mettre en place. Et moi je vais shooter toutes les personnes, voilà, une fois qu'ils auront leur trophée, ils vont sortir et je vais les choper donc de l'autre côté. Voilà, mais en tout cas, Théâtre Marigny, fort sympathique. Thank you.
Twitch. Et ça, ça va logiquement être top. Alors je vais en profiter pour les répètes, pour faire des photos un petit peu de l'arrière-plan. Ça permet de faire les choses sans stresser les personnes qui vont intervenir ensuite pendant le direct. Ça sera des photos plus d'illustration sur l'envers du décor. Ça sera pas forcément des photos qui vont être mises en avant dans la presse, mais en tout cas ça peut servir justement d'archives pour les organisateurs de l'événement. De tester différents types de cadrage, d'angles aussi par rapport aux différents types d'objectifs que j'ai. Et grosso modo aussi de me chauffer tout simplement pour rentrer dans le bain progressivement. Donc là je me sens assez bien, je suis assez prêt, j'ai vu 2-3 cadrages qui peuvent être vraiment super top. Ça sera le lancement de l'événement. Donc là ça va pas chauffer pendant quelques heures, donc à suivre.